Manson. Je veux que vous relâchiez mon frère Gérard. Pardon? Depuis qu'il vient à vos réunions, il est devenu gentil avec moi. Croyez-moi, ça fait froid dans le dos. J'aime pas la confrérie. Depuis qu'on vient vous voir, j'ai la tête tout le temps remplie de questions. C'est quoi ce bon Dieu qui met des enfants au monde pour leur monde? Pour voilà. Ce que tu vis, ça. Quel un tourment. Je suis sûre que tu as de bonnes raisons de faire quoi. Oui, je sais le coup. Pasteur Roy, dit que Roy, pasteur seul. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il faut que nous, les gens, et un plus grand et monde. Oui, je sais, le pasteur Roy, il dit que Dieu est tellement plus grand et intelligent que nous, qu'essayer de le comprendre, c'est comme si une fourmi essayait de me comprendre, moi. Oui, exactement. Mais nous devons croire en son immense bienveillance et par-dessus tout savoir qu'il veille sur nous tous. Ben oui, comme moi avec la voix grosse fourmilière du jardin. J'ai passé des jours entiers à regarder les fourmis et essayer de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises. Mais tout ce que je voyais, c'était des insectes. Alors j'ai commencé à les punir. Je crois que ce n'est pas clair. J'ai puni avec le tuyau d'arrosage, avec les sauces à briquet, avec la tondeuse à gazon. Et pour être tout à fait honnête, j'ai perdu les pédales avec la grosse pelle. Et si ça se trouve, les fourmis priaient pour moi tout le temps. Et j'entendais rien. Quoi qu'elles fassent, elles étaient impuissantes. Mais je crois que ça n'a rien à faire. C'est pareil pour nous. On ne peut rien changer à ce qui nous attend. Alors pourquoi ça se prend la tête? Et je me sens vachement mieux maintenant. Et tant mieux, c'est. Et bien sûr. Mais c'est. Je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est vivre en étant le plus gentil possible. Et en essayant de ne pas attirer l'attention de Dieu et de sa grosse pelle. Au revoir.